Avouons qu'on s'en doutait un peu, vu la ressemblance frappante entre Archie et son papa quand il était bébé. Si est désormais officialisé par la maman en personne, le fils de Meghan Markle et du prince Harry est bien roux, pour ne pas dire Archie roux. Le couple a assisté à un événement à Londres mardi 15 octobre, la duchesse de Sussex a eu tout le loisir de discuter de son bébé avec les personnes présentes. Une mère et sa fille de 11 ans, qui a reçu un prix lors de la soirée pour s'être occupée de sa sœur malade et décédée l'année dernière, ont fait part des quelques mots échangés avec le couple auprès de la presse britannique. Meghan a dit qu'Archie était roux, Harry a confirmé en précisant que cela se voyait surtout sur ses sourcils. Il a dit que lui-même n'a eu aucun cheveu jusqu'à ses 5 mois, l'âge d'Archie, note de la rédaction, et Meghan lui a répondu qu'elle l'a amené à la crèche plus tôt dans la journée et que d'autres enfants n'avaient pas plus de cheveux que lui, voire même encore moins, ont rapporté la mère et sa fille courageuse. Pour rappel, les roux sont nombreux dans la famille d'Archie. Outre son papa Harry, le père de Meghan Markle, Thomas Markle, avec qui elle est en froid, est rousse également. Une couleur de cheveux qui inspire pas mal de plaisanteries au duc de Sussex, roi de l'autodérision, dernière en date, une vidéo très drôle filmée avec le chanteur Ed Sheeran, pour sensibiliser les internautes à la journée pour la santé mentale.